Bonjour, je m'appelle Fred Maco, pilote pour le Porsche Team Mantet sur la voiture numéro 92. Cette année, ce sera ma 5e participation aux 24 heures du Mans. Nous sommes sur le virage de la Chapelle sur le circuit des 24 heures du Mans. Un virage qui se passe à fond, pas forcément difficile, mais qui a sa subtilité puisque c'est un raccordement entre le circuit Bugatti et le circuit des 24 heures. Donc avec une petite compression qui fait qu'on a une voiture un petit peu instable du train arrière. Il faut également être très vigilant puisque les LMP c'est de passer à droite et à gauche. Donc c'est une partie du circuit où pour nous GT, il faut être vraiment sur nos gardes et bien regarder dans les rétroviseurs. Venant du championnat français, moi j'ai eu l'habitude pendant 10 ans de prendre le virage de la Chapelle et sur le circuit Bugatti. Donc pour ma première participation aux 24 heures du Mans, la première fois que j'ai pris le virage de la Chapelle du grand circuit, ça n'a été pas évident puisque je ne savais pas trop exactement où me placer. Et c'était un virage rapide donc il fallait faire attention. Et bon, encore il y a les cônes, après un ou deux tours ça s'est bien passé, mais au début j'avais du mal à me positionner sur le circuit. On est nombreux le 13 juin pour soutenir le Porsche Team Mantet, surtout la voiture 92. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, hashtag LM24.